Salut Marie-Claude. Allô! Vraiment touchée, Marie-Claude, de ta présence aujourd'hui dans ce contexte de témoignage. Ça fait déjà quelques mois, je dirais presque même 3 et un petit peu plus, qu'on se rencontre semaine après semaine par l'engagement et le choix que tu as fait envers toi. J'aimerais ça que tu puisses te présenter, puis on parlera un petit peu de qu'est-ce qui s'est transformé pour toi après. Premièrement, je suis Marie-Claude. Marie-Claude Rioux, coach propulseur d'harmonie. Ce que je fais, j'accompagne des entrepreneurs, justement, en quête d'harmonie dans leur vie. Des entrepreneurs surchargés qui ont besoin de ramener le tout à eux. Et voilà, ça ressemble à ça, ce que je fais à tous les jours. Et la femme que tu es, Marie-Claude, tu as fait le choix d'engagement envers un de mes processus, qui est un accompagnement individuel. Oui. Ça a été quoi ton élan du cœur? Je dis un élan du cœur parce que pour moi, ça a été une rencontre de cœur, mais ça a été quoi ton élan? Pourquoi tu t'es engagée? Puis, qu'est-ce que tu as vu comme transformation du avant à aujourd'hui? Bien, premièrement, des fois, j'essaie de me souvenir comment ça s'est passé. Je pense que j'étais dans ma chambre en train de... J'étais sur mon Facebook, puis je t'ai vu passer. Puis je me suis, il y avait une invitation à participer à une semaine de live, là, de mémoire, là, c'était ça. Puis je me suis dit, je vais m'inscrire, je me suis dit comment capable. Fait que c'était la première fois que je te voyais, je me suis tout de suite inscrite. Et là, je me souviens, c'était du lundi au vendredi de mémoire. Puis là, lundi, quand je t'ai vu, ça a été tout de suite, pour moi, ça a été un coup de foudre. Là, ça a fait comme, oh, wow, je l'aime, elle! Fait que le lendemain, j'avais hâte de venir, puis je me souviens... Je finissais mes coachings, puis là, je me dépêchais à me reconnecter. Puis là, j'avais tellement hâte que tu présentes. Je me disais, OK, elle va finir par dire, là, c'est quoi l'offre? Là, ça va aboutir à quelque chose. Puis là, il n'y avait rien qui se passait. Moi, j'en pouvais plus rendu au mercredi. L'appel était là. Moi, j'étais à la recherche d'une coach. Puis, je laissais un peu passer le temps. Moi, j'aime bien être accompagnée. Puis là, c'était écrit gros fort, une grosse pancarte, là. C'était Hélène Benoît, Hélène Benoît. Quand je t'ai vu, là, mon cœur, ça a tout de suite rentré dans mon cœur. J'ai fait comme, oh my God, c'est avec elle que je veux travailler. C'est elle que je veux qui m'accompagne. Puis, je me souviens, j'ai fait ma recherche Google parce que ça n'arrivait pas assez vite, là. Je voulais avoir tes coordonnées. Fait que je t'ai trouvé. Je me souviens avoir pris un rendez-vous avec toi avant même que tu donnes une adresse quelconque pour te rejoindre. Moi, j'ai dit, je n'ai pas de temps à perdre. Là. Je veux que ça commence. Fait que, je me souviens de ce moment-là. Et ça a été tellement... déjà, notre première rencontre, pour moi, il y a eu une connexion qui s'est passée. T'sais. C'est comme ça, tout de suite, ça a cliqué, comme on dit, là, entre nous deux. Là. Ouais. Ouais. C'est dans cette période-là de ma vie que j'avais besoin de recadrage, j'avais besoin d'être ramenée à l'intérieur de moi. J'étais vraiment à l'extérieur de moi. Tu sais. C'est encore un défi, là, mais de plus en plus, je m'y rapproche. Mais par le passé, j'avais déjà eu de l'accompagnement du style un peu rentre-dedans, là, tu sais. Ça n'a jamais passé pour moi, ça. Moi, l'accompagnement rentre-dedans, là, c'est comme, je me braque, ça ne marche plus. Je suis pas déjà, c'est pas, elle ne va pas avec ma personnalité. Puis ta douceur, ta gentillesse, ton accueil, ton non-jugement. Oh my God, ça, c'est énorme, là, Hélène. Hélène Benoît, c'est le non-jugement, c'est l'amour, c'est un cœur incarné, là, tu sais. Puis c'est énorme ce que ça a amené comme transformation, tu sais, pour moi. Tu m'as ramené. Et tu continues encore à me ramener, puis à m'enseigner, à me ramener à moi, à l'essentiel, à ma connexion divine à l'intérieur de moi, de me rebrancher sur moi-même et non de me brancher sur les autres, tu sais, de valider moi-même, mes succès, de valider moi-même, tu sais. Puis jamais tu glisses dans le conseil, c'est comme, je te pose une question, je ne sais pas, moi, et toi, tu sais. C'est tellement facile d'aller chercher chez l'autre. Oui, mais trouves-tu que... c'est pas moi, toi. Puis là, je me souviens les premières fois qu'on se voyait, tu me disais « respire ». Je me disais « tu es fatiguante de me demander de respirer, j'en devrais virer folle. » Je ne sais pas si tu te souviens de notre première rencontre. Mais notre première rencontre, je te l'avais dit, hein, j'étais sortie frustrée, là, j'étais fâchée, j'étais triste, là. Tu ne m'avais pas donné de devoir. Puis là, j'étais comme... Moi, là, elle est supposée me donner des devoirs pour que j'avance. Puis là, c'était comme, Non, elle ne m'a pas donné de devoir, là, tu sais. Puis là, je t'avais dit ça à la deuxième rencontre, puis là, à ce temps, ris quand je repense à ça. Je fais comme, voyons, c'était quoi cette histoire-là, tu sais. Ouais. Oh là 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 là. Fait que voilà. Fait que là, j'ai arrêté cette folie de devoir et j'en ai assez. Ouais. Mais ce que j'entends, en fait, c'est que tu es arrivé pour le bien de ton entreprise, de la faire propulser, la faire agrandir, la faire développer davantage. Puis c'était la clé d'un élan de venir vers moi aussi. Oui. Puis comment ça s'est déroulé finalement? Oui, c'est vrai, tu me rappelles ça, puis c'est bien trop vrai, c'est parce que là, ça a switché de bord, là, mais oui. J'y allais pour mon entreprise, là, tu sais, ça m'avait beaucoup appelé, ça avait été, tu sais, t'avais proposé un midi de prendre une date avec notre entreprise, oui. Puis là, ça m'avait bien parlé, tu sais, oui. Puis l'analogie de couple et entreprise, puis comment oui. tu te comportes, si fais-tu des menaces, blabla, puis là, moi, j'étais comme, aïe, ça me parle solide, le nombre de fois que j'ai dit ça, moi, justement, là, si ça marche pas, là, on retourne, et puis c'est même pas vrai, c'est vraiment des menaces juste pour elle. Même pas vrai que j'avais le goût de faire ça, mais je le disais pareil, là, tu sais, comme, si tu penses que je me disais ça à mon entreprise, puis dans le fond, mon rendez-vous avec toi était pour mon entreprise, oui. Mais dans le fond, je me suis fait avoir. Tu peux ramener ça à moi, parce que tu m'as dit, tout part de toi, mais oui, mais... Je le sais pourtant, mais pourquoi je ne l'appliquais pas à moi? C'est si simple d'accompagner les autres. Quand c'est ramené à soi, c'est comme... Et boy, c'était écrit gros là devant moi, je ne voulais pas le voir. J'ai justement peut-être trop proche, tu sais. Fait que... Et c'est vraiment ça, là. Tu sais, c'était... Je prenais un rendez-vous pour elle. C'est elle qui avait un problème. C'était pas moi qui avait un problème. C'était elle. Mon entreprise. Mon entreprise, elle. Et là, tu me ramenais à moi. Non, non, toi. Tu sais... Ouais. Quand toi, ça va bien aller, quand toi, mais là, elle va pouvoir se permettre d'être, elle va pouvoir avoir confiance en toi, puis rayonner avec toi. Mais tout part de toi, tu sais. Ça a été, c'était gros, ça. Gros, ouais. Je sais pas si j'ai répondu à ta question, Hélène. Pas sûre. Oui, tout à fait. Oui, non, tout à fait. Puis des éléments concrets qui s'est transformé dans ta vie, avec toi, dans ta vie personnelle, relationnelle, puis entreprise. Oui. Aujourd'hui, dans l'ici maintenant, qu'est-ce qui s'est réellement transformé? De ramener à comment... Ah oui, c'est vrai ça, oui. Tu sais, expansion ou fermeture, ça c'est énorme pour moi. Parce que je me déconnectais constamment, fait que je ne prenais pas conscience de qu'est-ce qui se passait en dedans. Fait que dans mes décisions à prendre, je cherchais validation à l'extérieur, quand je disais tantôt, au lieu de chercher validation à l'intérieur, mais je me disais, c'est beau, validation à l'intérieur, comment qu'on fait ça? Puis de ton enseignement, de prendre conscience que, est-ce que ça contracte? Où c'est libre. Et ça a été énorme pour moi de faire ça. Puis maintenant, là, autant dans ma vie privée que partout, je fais « Ah, intéressant ». Et là, enlever le jugement aussi. Je me jugeais énormément. Beaucoup, j'étais très difficile, très bourreau avec moi. Très, très. Même là, c'est facile de reglisser là pour moi. Mais je me ramène maintenant. Tu sais, je m'entends, je me vois. Puis je fais comme « Oups, doudou, ma grande, doudou. » Tu sais, prends soin. Tu sais, c'est non nécessaire, ça. Tu sais, fait que... Ouais, hey, merci, tu me ramènes, ça fait du bien de parler, là, moi, c'est comme un coaching de plus. J'adore ça, la connexion avec cette discussion-là, avec cet échange-là, en fait, de voir aussi qu'est-ce que toi, tu vois qui s'est transformé. Mais c'est qu'après, cet enseignement-là, Hélène, va me servir pour la vie, là. Cet investissement-là que je fais pour moi, tu sais, finalement, à mon entreprise, j'espère qu'elle ne m'en voudra pas trop que c'est moi que j'ai fait passer à l'entreprise. Désolée, ma chérie, mais c'est moi qui n'avais plus de besoin, finalement. mais ça me sert pour tout maintenant. Tu sais, autant en couple, autant avec la famille, avec les amis, de faire « Hey, valide à l'intérieur de toi ce qui est là. » Tu sais. Ouais. Fait que ça, je souhaite... Ben, je décide maintenant que ça va être pour la vie maintenant. T'sais. C'est une décision qu'on prend, puis un apprentissage que j'ai fait, puis que, comme tu dirais, que j'incarne, que j'ai décidé d'incarner, puis à partir du moment qui est incarné, ben, je le garde à l'intérieur de moi. T'sais. Fait que c'est sûr que cet accompagnement-là, oui, corporatif à la base, mais je ne suis pas détachée de ça. Fait que ça, c'est sûr que c'est impossible que ça ne touche pas le personnel. En tout cas, j'ai décidé d'accepter que ça touche autant mon personnel que mon professionnel, tu sais. Okay. Ouais. Fait que tu reprends du pouvoir de choisir, ouais. de voir ce qui se passe en dedans de toi pour faire des choix éclairés en conscience. Oui, ouais. Puis je suis bien curieuse que tu me dises comment ça a eu comme répercussion dans ton entreprise. Elle, ton entreprise, elle se porte comment maintenant? Mais pas mal mieux, tu sais. Je me souviens, tu sais, j'avais une incidence de juste travailler, tu sais, de m'oublier, puis de me dire, bon, mais c'est pas grave, encore un autre petit bout, mais ça fait des années là, que c'était ainsi, là, de juste travailler tout le temps. Puis pourtant, c'est ça à quoi j'aspire, hein? On enseigne ce qu'on a le plus besoin d'apprendre. J'ai cette croyance-là, moi, là. Fait que c'est sûr que dans ma vie, moi, ça, travailler, c'est ce que je sais le plus faire, tu sais. Fait que, tu sais, c'est facile de glisser juste avec ça. Ce que ça a amené comme répercussion, juste le fait de m'autoriser, de prendre plus de temps, il se passe de la magie actuellement. Il y a des contrats qui arrivent. Il y a des portes qui s'ouvrent. Il y a des possibilités maintenant de, wow, avoir des contrats de plus longue durée qui arrivent. Puis là, je fais, wow, tu sais. Là, c'est à moi de gérer de, oh là là, là, je suis tout le temps en train de me parler parce que des fois, je fais comme, wow, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Oh, oh, Marie-Claude, on ne ferme pas les portes. Tu as demandé que ça s'ouvre, c'est correct, tout va être correct, on va se replacer. C'est à moi de placer le cadre, c'est à moi d'organiser le tout, tu sais, de bien me grounder, de ne pas me laisser déstabiliser par tout ça parce que c'est ce que je souhaitais, tu sais. Fait que mon entreprise, là, elle fleurit énormément en ce moment, tu sais. Puis moi, je me suis beaucoup accrochée quand tu m'as dit ça peut se passer comme ça. Pas obligée là, de prendre des mois et des mois avant que ça arrive. C'est une décision, à partir du moment que c'est décidé à l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui se passe. Puis c'est vraiment ça qui se passe actuellement, tu sais. Parce que pour moi, même d'investir dans l'accompagnement avec toi, c'était... Ouf, mon Dieu, je suis en train de faire ça alors que la carte de crédit est pleine, alors que la marge de crédit est loadée jusque-là. Puis je me disais, je ne peux pas croire que je me rajoute quelque chose. Je ne savais même pas comment à chaque mois j'allais pouvoir parce que c'était déjà vraiment comme assez intense. Et là, tout se dessine, que tout arrive au bon temps. Puis là, je fais, c'est devenu facile. J'ai pu... Là, en tout cas, les 2 derniers mois, il n'y avait pas de stress de comment je vais faire, tu sais. Alors que là, 3 mois, c'était ça, tu sais. Fait que, ouais, vraiment. J'ai vraiment le goût de mettre en lumière sur qu'est-ce que tu as dit, puis juste le renommer, te nommer que le fait de t'accorder du temps, de l'importance, d'exister, de ne pas juste travailler, a permis d'ouvrir les opportunités dans ton entreprise. Oui. Attends, je le répète, là. Je veux juste être sûre, là, tu sais. J'ai pas compris, je comprends. Je vais répéter ça. Le fait de t'être vu, toi, de t'être permis d'exister, de reconnecter à ta joie, de créer de l'espace. Pour toi, en tant que femme, rien à voir avec le business. Ça a créé de l'ouverture dans l'entreprise. Tellement. Et là, Hélène, qu'est-ce qu'elle dirait? Marie-Claude, respire dedans. Respire dedans! Accueille! Respire dedans! Ah! Bourron! On danse le bourreau! Mais là, j'ai le goût de célébrer cette prise de conscience-là. Ce que tu viens de partager ici, c'est plein de petites célébrations qui en créent une grande. Puis, l'illusion qu'on a de, je généralise, l'illusion que des fois l'entrepreneur a de dire, il me manque une méthode ou il me manque une façon de faire ou il me manque un procédé pour arriver à ce que mon entreprise devienne florissante. Mais c'est peut-être pas le chemin nécessaire. Oui, ça en prend. Mais si toi, en tant que canal, en tant que driver, leader de ton entreprise, il est tout désaligné, mais tu as beau avoir la méthode que tu veux, ça va se refléter dedans. Oui, effectivement. Oui. Et ça, c'est une étape, le chemin intérieur de se reconnecter à soi, que l'entreprise devienne florissante. Mais au travers de ça, je me souviens que tu m'as nommé, ça défait tout le chemin de connaissance que je pensais qui était la trail, qui était le chemin de l'abondance, mais dans le fond, c'est la connexion avec soi. Oui, oui. Je cherchais quelque chose de bien compliqué, tu sais. Oui, à l'extérieur. Oui. Oui, c'est ça, à l'extérieur. Puis toi, tu amènes ça tellement simple. Tu me le ramènes simplement, tu sais. C'est vraiment ça, tu sais. Oui. C'est vraiment... Puis je le nomme tellement souvent, tu sais. je suis tellement honorée et fière, tu sais, de t'avoir choisi. Vraiment, vraiment. C'était ça. Puis en plus, hein, tu sais, qu'on a découvert après quelques temps, je me souviens d'avoir dit c'était ma fête, genre, c'était ma fête hier. Que... Là, je fais, eh ben drôle de douter de moi, tu sais. Je trouvais que c'était vraiment bizarre. T'avais vraiment l'air de douter de moi. C'était ta fête. Ben oui, c'était ma fête. Puis là, t'as fait, mais c'était ma fête à moi aussi. Qu'on ait la même date de naissance, c'est comme, wow! Le 16 juin! 16 juin! Là, j'ai fait, ah, oh, je comprends! Ce sont des astres qui se sont connus. Oui, c'est ça. C'était comme, c'est quoi les chances que ça arrive? Puis c'était... On l'a découvert après quelques temps, là. Je trouvais ça vraiment drôle. Ça a été drôle. Ben, ça a été drôle ma réaction de dire, ben voyons donc, tu sais. Oui, là, je me vois encore, te vois encore la face, puis je suis à l'intérieur de moi de faire comme, comment ça doute de moi, comme je comptais des mentrices ma date de naissance. T'sais. Ben non, toi, ben, je l'ai compris après, tu sais. Exact. C'était drôle. Je trouve ça savoureux. C'est nourrissant pour moi de t'entendre, Marie-Claude, de voir aussi ton chemin parcouru, que tu puisses le partager, que je puisse le voir de l'extérieur de ce que toi, tu vis de tous les jours. Oui. Je trouve ça enrichissant de t'entendre, t'observer le chemin parcouru. Tu sais, Hélène, là, ça fait 3 mois, puis je ne veux pas rentrer dans la... C'est trop dans la juste la projection et dans tout ça, là, mais c'est comme... Là, je fais, aïe, aïe, en 3 mois, là, je vois, là, j'ai l'impression que là, maintenant, là, en tout cas, je crois que j'ai décadenassé, de bon temps, Hélène aussi, j'ai décadenassé une coupelle de trucs, beaucoup de trucs. Oui. Mais là, je me dis, aïe, aïe, dans 3 mois, où ça va être? Wow! Mais je ne suis pas en train de me dire, oh mon Dieu, j'attends là. Mais déjà, je suis capable de voir le chemin parcouru, puis de me dire, wow! Puis là, je n'ai pas 1 an avec toi, là, fait que je fais comme, oh! My God, tu sais, c'est gros, parce que déjà, en peu de temps, je trouve, tu sais, fait que, autant quand t'es dedans, t'as l'impression que c'est long, tu sais, je me dis, hey, quand est-ce qu'on va embarquer, là? Parce que ça, c'était quand même mon choix d'arriver avec des, il est arrivé des gros morceaux dans ma vie à travers ça, mais c'est ça, être entrepreneur, on est vivant, là, tu sais, la vie continue, nos familles sont là pareil, fait qu'il s'est passé des gros morceaux, mais tu as accueilli ce qui était là, tu m'as accompagné, tu m'as aidé dans tout ça, fait que merci, tu sais, fait que ouais. Alors, si je te ramène de ce que tu nommes, en fait, c'est tout ce qui s'est passé en 3 mois qui est tellement grand en l'espace de si peu de temps. Oui. Mais je peux voir qu'il y a une fébrilité à découvrir ce que tu vas créer dans la vie. Oui, parce que je me dis, wow, OK, là, t'es déjà en 3 mois ce qui a été fait. Oui. Ben là, le prochain 3 mois, il y a plein d'autres pépites d'or qui vont arriver, là. Il y a d'autres transformations pas terminées, là. C'est certain, là. Je souhaite, c'est ce que je veux, là. Je veux continuer, là, d'aller solidifier, d'aller guérir, d'aller visiter, d'aller respirer, d'aller... Fait que c'est ça, de l'amener ici et maintenant, à tous les jours, mais c'est ça, ça me donne, en fait, ce que ça fait, ça me donne de l'espoir, puis mon pattern de comment je vais le nommer, avec l'entreprise, tu sais, qui était comme, ben là, ça marche pas, tu sais, de menace, je pense que c'est ça, la menace, ben, elle se présente plus, tu sais. Même s'il y a des bouts de fou, je travaille fort là, quand même. Là, je suis en train de mettre en place un système d'organiser pour avoir beaucoup plus de liberté. C'est normal de faire un petit peu plus de stretch en ce moment. Là, dans ma vie, c'est correct. Là, mais c'est pas avec des menaces. T'sais. Fait que je trouve ça. Puis beaucoup plus de douceur pour moi-même. Fait que bravo. Pas pire, hein? Bravo! Bravo, Marie-Claude! Bravo! Vraiment fière pour toi. Je suis heureuse, remplie de joie. Mon cœur, là, il vient chaud là, à entendre ce que tu nommes. Merci. Merci infiniment premièrement, de cet engagement-là que tu as envers toi, parce que c'est toi qui es la clé de cette transformation-là. Ah, il y a un point que je voulais dire, que j'oublie. Oui. Il arrive des fois des matins là, que je me dis, j'ai comme pas le temps. Tu sais, je me dis, oh, je leur pousserais, tu sais, je voudrais remettre mon coaching parce que je fais comme soit j'ai pas eu le temps ou j'ai pas mis le temps qu'il faudrait. Puis quand je termine mon coaching, jamais je me dis j'aurais pas dû, tu sais, que je fais une chance que j'étais présente et que j'ai été là, puis je me suis honorée parce que encore là, il y a tout le temps des découvertes, il y a quelque chose de magique. Moi, j'appelle ça ici pour moi, là, il y a quelque chose de magique, une transformation qui se fait de plus en plus à chaque rencontre, là. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que, ouais, voilà. Parce que tu t'autorises. Oui, c'est ça. Oui, oui. Yay! Yay! Mais d'avoir quelqu'un qui est là, qui croit en nous, puis qui est bienveillant à côté de nous, c'est puissant. Ouais. Tu sais, même si c'est nous, mais d'avoir la personne à côté qui... Puis aussi d'avoir quelqu'un qui a un chemin parcouru, tu sais, qui... Tu sais, c'est pas comme quelqu'un qui essaie de t'enseigner quelque chose ou te guider dans un processus qu'elle n'a jamais fait, tu sais. Tu sais, un jour, puis c'est pas... De temps à autre, j'ai des clients ou des gens qui me disent « T'es une coach, toi? » Tu sais, comme si moi, je suis au-dessus de tout ça, puis je fais comme « Hello, je suis humaine aussi, là. » Tu sais, je suis pas... non, là, moi aussi, là, j'ai des choses à travailler, puis je vais en avoir pour la vie. J'espère bien avoir une coach pour le restant de mes jours, moi, tu sais, parce que c'est nécessaire pour moi, à mon évolution, d'avoir quelqu'un de neutre à côté de moi, puis qui ne rentre pas dans mes émotions, tu sais, puis capable de me recadrer, m'accompagner, m'aider, tu sais. Pour moi, c'est nécessaire, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que c'est simple, je dis, lors du temps, soyez fiers que j'ai quelqu'un qui soit là aussi pour moi, parce qu'à quelque part, ça fait que je deviens, à mon avis, à moi, une meilleure coach encore, tu sais, parce que je prends soin des parties à l'intérieur de moi, tu sais. Mais en fait, tu marches ton chemin, c'est ce que tu viens de nommer, tu sais, le fait que moi, je marche mon chemin, ça t'inspire à marcher ton chemin. Oui, c'est ça. Et ça l'inspire d'autres, et tu sais, ça fait le fort de... Cette part de don, hein, tu sais. Oui, cette part de don. Révélateur, là, pour moi. Et ça, j'en reparlerai dans une autre capsule. Là, on va tout dire, je suis en train de tout vendre les punches. Mais non, parce que c'est chaque personne, à chaque moment, il y a pas... Mais je reparlerai de la part de don. C'était énorme, ça, oui. Stay tuned pour le next épisode. Hélène, elle va vous en parler. Le next épisode, c'est ça. Ça fait plaisir. Facile. Vraiment touchée. Puis si vous voulez suivre Marie-Claude, les liens vont être là pour pouvoir justement la retrouver dans sa communauté. C'est un honneur pour moi de t'accompagner. Merci. Merci d'être là.